Tu as mal aux engrenages quand tu tousses? Eh bien, c'est une souffrance ridicule par rapport à celle que peut engendrer l'amour. Tu connaîtras le manque, puis les affres de la jalousie, de l'incompréhension, la sensation de rejet et d'injustice. La mécanique de ton cœur explosera. Je t'ai greffé cette horloge, je connais parfaitement les limites de ton fonctionnement. Un seul baiser, même léger, pourrait te détruire. Charge ton place, c'est bien clair. De brindilles. Tu ne seras pas en train de nous couver quelque chose, toi. Oui, toi. Tu sais bien que c'est interdit. Interdit. Je sais. Madame, j'ai bien réfléchi aux trois lois et je crois que j'ai trouvé la solution. La solution? Il faut que j'aille à l'école pour apprendre. Ainsi, je pourrai mieux comprendre les trois lois et les appliquer dans la vraie vie. À l'école? Mais tu vas t'ennuyer. Tu devras lire des livres qui ne te plairont pas. Alors qui sait, tu choisis ce que tu veux. Il te faudra rester assis de longues heures sans bouger. Et puis tout le monde va se moquer de toi avec ton horloge. Et tous les enfants du monde vont à l'école. Toi, t'as toujours du travail. J'ai besoin de découvrir le monde maintenant, tu comprends? À l'école. Bon, je crois qu'il y a un cartable au grenier. Va le chercher. Oh, Madeleine, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire du monde! I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royal. It's the one in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Une chanteuse minuscule qui se cogne partout.
n'aurais pas vu une chambre. Cela fait maintenant plusieurs années que dans cette école, je me sens chez moi. Et c'est vrai, dans la cour de récréation, c'est souvent moi qui fais la loi. Tous les autres élèves me respectent, il y en a sûrement beaucoup qui me craignent. J'ai mes repères, mes habitudes, mes certitudes sur lesquelles je règne. Alors c'est vrai, j'aime pas beaucoup le changement, pour moi la vie c'est la stabilité. Je voudrais effacer littéralement tout ce qui pourrait menacer mon autorité. Bonjour. Je fais ce qu'il faut depuis longtemps, et dans mon entourage j'ai plus de rivaux. Mais à l'école depuis peu de temps, j'aime pas trop ça, il y a un nouveau. Tu cherches quelque chose? Oui, une chanteuse, une miniature. Qu'est-ce que tu lui veux à cette petite chanteuse? Il y a quelques jours, je l'ai vu chanter et se cogner partout, alors j'aimerais lui offrir une paire de lunettes. Elle s'appelle Miss Acacia. Miss Acacia. Et personne n'a le droit de parler d'elle, sauf moi. Tu m'as bien compris, Nabo? Comment tu fais ce bruit de tic-tac? C'est ton cœur qui fait autant de bruit? Oui. Tu n'es tout de même pas tombé amoureux d'elle, toi aussi? Un peu. C'est dommage pour toi. Elle a dû quitter le pays. Alors que je ne t'entends même pas y penser, sinon je te fracasse l'horloge qui te sert de cœur. La prochaine fois, c'est ton cœur que je briserai sur ton crâne. C'est pour moi. Bon anniversaire signé Miss Acacia, c'est pour moi. C'est mon anniversaire. Tu retardes, tu te peines. Je suis parti, ils viennent me chercher à cause de l'œil de Joe. Je reste ici pour accueillir la police. Je te prépare quelques affaires et tu sortiras par derrière. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Que tu n'es pas rentré. Fais attention à ta clé, Jack. Et n'oublie pas, dès que tu t'installeras, prends contact avec un horloger. Tu veux dire un docteur? Non, surtout pas. Ne va jamais voir un docteur pour un problème de cœur. Il te faudra trouver un horloger. Tu vas te faire mal à l'horloge si elle se serre trop fort. Pas encore parti, j'ai déjà froid. Help, I am done it all.
l'heure qu'il est, je suis sonné comme un clocher abandonné dans un désert de fumée bleue. Comme la peur de m'en aller, 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 des aléas, des allers-retours me causent quelques fracas que j'apprendrai à éviter une autre fois. Mais là, voyez, ça commence à claquer, j'ai du pop-corn dans le cœur. C'est la panique mécanique de mon cœur. Loco, loco, moti, loco, loco, moti, à la peur. Oh, foutu machine qui ne veut pas fonctionner. Excusez mon comportement, cher ami, mais ça me tient à cœur de faire fonctionner mon invention. Et voyez-vous, elle se déclenche pour un bien, vous comprenez? Oui. Oh, belle mécanique britannique que vous avez là, mon ami. Il faudra trouver un horloger pour me réparer. Je ne suis pas vraiment horloger, mais je suis assez bricoleur. Ça vous dirait de faire une détaille dans mon petit atelier à Paris pour vous promettre un état? C'est très animé. Bon, tout fonctionne très bien. Oh, monsieur... Appelle-moi Georges Méliès. Vous savez, monsieur Méliès, j'ai rencontré une petite chanteuse. Oui, enfin, ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais quand je l'ai vue, j'ai eu l'impression d'un tremblement de terre sur mon horloge. Tu as aimé ça? J'ai adoré. Et ben alors? Alors, j'ai eu très peur que l'amour me tue. Si tu passes ta vie à faire attention de ne rien casser, tu vas terriblement t'ennuyer, crois-moi. Tu as envie de vivre la grande aventure avec cette fille? Si je la retrouve, je crois qu'elle est à Grenade. Je ne connais rien de plus amusant que l'imprudence. Quand on décide de traverser l'Europe pour retrouver une fille, c'est qu'on a le chef de l'imprudence à s'y développer. Alors venez avec moi en Andalousie, monsieur Méliès. Tout peut arriver là-bas, tout. Accepte-tu un prestidigitateur comme compagnon dans ton pèlerinage amoureux? J'adorerais voyager avec un magicien. Laisse-moi jeter quelques tours dans le sac et c'est parti! Je crois que nous y sommes. Qu'est-ce que t'en penses?